Verbig et Gobelin avaient œuvré de concert lors de l'invasion de la vallée des nains. Mais certains s'étaient détachés de la horde pour s'emparer de la forge d'Anuragon. Nous allions devoir les terrasser avant de faire face aux horreurs qui se tapissaient à l'intérieur. Pour dénicher les Verbig, il fallait simplement se laisser guider par le son de leur voix. Je vais pas tarder à prendre des vacances. Vous connaissez une bonne plage souterraine ? J'en ai chopé un, je suis récupéré un nain bien dodu. Guetté comme il est gras. Mais c'est pas un nain, crétin. Bien sûr que si. Non? Bah, bazarde-moi ça. De la raclure grise. Ouais, mise-moi un coup de merde. J'y bouffe pas, moi. Oh non, ces petits gris, ils me filent la chiasse. J'ai la dalle. Je vais expédier ces créatures et reprendre la forme des nains. Ah!
maudite bouillague. Maudite bouillague. Magie bouillague. Par les flammes de Tempo. Maudite bouillague. Je l'entends sonner comme la... Mon compte va augmenter. Toi, tu seras bien au chaud dans mon bide. Par les flammes de Tempus. Tempus me met à l'épreuve. C'est quoi encore ce bordel? Qu'est-ce que tu nous mijotes encore, Réunu? Si tu peux te choper un Barbara, ça se graille. Mais un nain, ça c'est de la friandise, je te dis. Je me laisse les babines. V'là la baston. Bientôt se prosterner devant nous. Pourquoi ça? Bah, une fois qu'on aura trouvé l'éclat. Oh. Mais... Et si on le trouve pas? Bah, faut bien qu'on le trouve. Et on bossera pour lui. Et alors tout le monde s'inclinera devant nous. Un ennemi a tué. On va bien les plaquer.
L'éclat est toujours dans la région, hein? Du coup, vous devriez pas être en train de courir après, plutôt que de traîner ici? Bien que les sapeurs nains eussent condamné l'accès à la forge depuis leur citadelle, les Verbigs étaient parvenus à y pénétrer par une porte extérieure. C'était sans compter les Duergar, qui avaient leur propre vue sur la forge d'Anuragon. Les Duergar avaient caché les clés en pierre runique pour verrouiller la porte de la forge. Nous allions devoir les retrouver pour pouvoir accéder à la forge et liquider les occupants Verbigs. Faudrait peut-être que je me mette à vendre des chapeaux. Ça me va tellement bien, les chapeaux. Je mourrai heureux si je n'entends plus jamais le moindre chant Verbig. Menacer le Val, maintenant. Affronte-moi, guerrier élan. Approchez les Mousgarts! Faites voir votre acier! Zempus! Donne-moi la force! Enfermez les dents! Le raquette est aussi grand que lent! Barbare!
La bouffe débarque sur pattes, les chefs. Lâchez tout sur moi. Flammes sont arrivées. Tu vas peut-être me dire de repas, Barbara. Dis-moi quand tu es Tempus me met à l'épreuve. Il faut être simplet pour s'aventurer seul ici. Tailladez la gueule. Qu'est-ce que tu nous mijotes encore, Par les flammes de Tempus! Vous savez pas comment ouvrir une porte de nain, par hasard? Pourquoi? Faudrait le faire. J'y ai bastonné comme un malade. Mon compte va augmenter. Je suis Bulgare. Moi, ce que tu réguiteras. La porte va pouvoir se déverrouiller. Il faut juste mettre la dernière pierre en place. Pour la tribu de l'élan! Par les flammes de Tempus!
ose menacer le Val, maintenant. Barbara, viens taper des trucs. Tempus nous regarde. Qu'est-ce que tu fais là-bas? On s'est perdu, John. Pour la crinière de l'élan. Ici, Reggae dur. Je vais me faire un petit trophée. Ça, je peux faire le bleu, papa. Pas toi. Pour la tribu de l'élan. Par les flammes de Tempus. Les Verbigs, vile créature, friande de la chair des nains. C'était sans compter les Duergar, qui avaient leur propre vue sur la forge d'Anuragon. Nous allions les abattre jusqu'au dernier. Mais ce dont nous allions être témoins dans cette forge nous hanterait jusqu'à la fin de nos jours. Moi aussi, je pourrais avoir des biscottos comme Wulfgar. Faut que je reprenne l'exercice, c'est tout. Je dois m'armer de courage contre les horreurs que je m'apprête à voir. Avant de me consoler dans un bain de sang perdu.
le roi barbare. Pour ce combat. Verbig, ça parle que de bidos. Oh, ça me fait flipper. Comment on peut aimer la viande à ce point, franchement? Ils ont failli me bouffer, c'est dingue. Si je bouffais autant que, je serais peut-être aussi grand que les Verbig. Les chansons de Verbig, ça parle que de bidos. Oh, ça me fait flipper. Ils ont failli me bouffer, c'est dingue. Oh, si seulement les Verbig qui pouvaient se bouffer eux-mêmes. Oh, pourquoi qu'ils chantent tout le temps? Comment on peut aimer la viande à ce point, franchement? Allez. Qui ose menacer le Val, maintenant? Il est dur. C'est au travail, hein? Par ici. Par les flammes de Tempus. Oh, hâte de me faire un tir. Allez, dépêche. Créature immonde. De soupe du chef, tu vois. Bonheur et son. Allez. Quoi? Non. J'allais... Ouais, t'as peut-être raison. Mais bon, je me disais que tu pourrais prendre la part de Servote qui est resté pas trop les faire bouillir. Je pourrais peut-être dérider un petit gris pour voir si c'est lui de meilleur goût. Pareil, maître brasseur a mis sa propre sueur dans cette cuvée. J'espère que ça soit barbifié, cuit, bien épicé, comme ma maman elle faisait. Moi, les petits gris, je les trempe dans la sauce, je me pince le nez, et hop, au fond du goulot, ça a moins le coup de merde. Cette vieille face, elle protège tout juste du froid. Thank you.
Qui est cuit, bien épicé, comme ma maman elle faisait. J'aime quand leur gueule de mille tours. Cette tête. Moi, les petits gris, je les trempe dans la sauce. Je me pince le nez et hop, au fond du goulot. Ça a moins le coup de merde. Croyez que le maître brasseur est une frite tuée de saison? On est peut-être à sec, mais tous ces barbares. Les petites bâtisses des bateaux. Oh, Queenry criait. Qui ose menacer le Val maintenant? Arrête tes gamineries, Barbara! Mâchoire armée!
je l'ai vu. De bonnes gerbes bien fraîches. Moi, j'aime ça quand elle braille fort. Et j'aime surtout quand elle queen. Quand elle arrête de gigoter, qu'on lui brise son petit cou maigre, qu'elle vous regarde des petits yeux mornes, avec une petite mine toute triste. Encore, bande d'abrutis, elle est pas prête la soupe. Le prochain chum qu'ose m'interrompre, bah il va terminer dans la marmite. Les Barbara, ils ont pas droit à goûter. Viens ici que je te... Le cercle de téléportation attend et j'ai de... Il se présentait sous le terme de l'Ordre de la Lumière Unique. Des fanatiques qui vénèrent l'éclat de cristal tel un dieu. Nous avons trouvé la forteresse de l'Ordre cachée dans les Chines du monde. Assiégés par les troupes de Lévistus, ils avaient érigé une barrière magique contre les diables. Nous allions devoir récupérer les clés de voûte afin d'abattre cette barrière, pour ensuite accéder à la forteresse et régler leur compte aux mages.
ramener. Mais il n'y a qu'un seul maître de l'éclat. Moi ! Les mages de l'éclat. Combien d'années ont-ils sévi dans ces montagnes aux grandes dames de toute la population du Val, à la recherche de leur dieu du cristal? Nous comprenons pour le prince. La chaîne. Je suis Fulgor. Tempus me met à l'... Pour Tempus ! Par les flammes de Tempus ! On a tué les éclaireurs en un. Est-ce qu'il en venir d'autres ? Nous avons d'autres soucis. Kessel a convaincu des... Rejetons des enfers. Aidez debout pour l'éclat et pour le moins. À l'heure. Yez debout n'a rien avec ça. Détruisez-le. Tempus! Je suis Fulgor! Je vengerai sur ton âme! Pourquoi l'ordre? Tient-il à... Rejetons des enfers! Où est ton esprit? Un incroyant parmi nous! Créez Shinibon Fate sur moi, barbare!